Bon Matin a invité les médias à venir essayer le tout nouveau bar à toast. Il va être partout en tournée au Québec, donc c'est le temps de venir créer votre propre tartine ou de goûter aux recettes qui vous sont proposées. On est en train de permettre aux blogueuses de goûter et de vivre le bar à rôti de Bon Matin avant tout le monde, parce que le bar va partir en tournée à Montréal et à travers le Québec. Et donc, on va essayer des nouvelles recettes grâce à Cinq Fourchettes, qui est aussi une maman qui fait de la cuisine. Et on va, entre autres, faire de la méditation aussi, méditation parents-enfants. Là, on prend notre temps, on se pose ce matin, puis on va manger. J'ai déjà commencé à manger. Alors, Nancy, toi, tu es une fan de tartines. Oui, j'adore ça. Mes enfants aussi. Le matin, là, ça fait partie de notre routine. Fait que ça, avec Bon Matin, c'est vraiment trippant pour ça. Là. Les pains sont bons. On n'a pas besoin de se sentir coupable d'en donner à nos enfants. Là, parce que c'est super santé. Ils ont fait des bons choix. Là. Pour l'occasion, tu nous as préparé 3 recettes. Oui, j'ai fait une tartine qui est fromage à la crème, miel, amandes et petits fruits. On en a fait une autre, c'est hummus avec des pacanes et des petites graines de grenade. Puis on en a fait aussi pour les enfants avec une petite tartinade, le choco-noisette fait maison avec des petits fruits pour faire un petit bonhomme. C'est rigolo, les enfants aiment ça le fabriquer. Fait que les recettes, ils vont être disponibles sur 5 fourchettes. Ils vont aussi être disponibles sur bonmatin.ca. C'est hashtag bonmatin tout le monde. Donc, on vous invite là, à venir partager ça sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse voir c'est quoi vos matins. Ça peut être aussi, pas nécessairement des tartines, là, mais voir comment ça se passe le matin puis comment vous simplifiez vos petits matins avec le pain. Isabelle, tu nous fais des toasts. Toi, tu mets quoi sur tes toasts? Moi, j'aime beaucoup les tomates. Tomates fraîches, tu sais, à température pièce, avec un peu d'huile d'olive, sel et poivre. Je suis tellement heureuse, là. Ça, je peux manger ça été, hiver, tout le temps. Le fait qu'il est sans arôme, artificiel, sans colorant. C'est un peu l'idée aussi de Bon Matin de sortir puis de dire, hey, écoutez, nous autres, on offre des bons produits de qualité, bien fait. Alors, on veut que les gens le laissent. Alors, les gens vont pouvoir déjeuner gratuitement, finalement, pour les prochaines journées. C'est pas extraordinaire, ça?